J'étais à la convention. C'était hier, non? Oui. Yeah. Comment se fait-il que tu avais à peu près les mêmes couleurs que mon bébé? Ma tata, c'était même pas à peu près. On avait la même couleur. Bizarrement. Bizarrement, on avait franchement la même couleur. Et aujourd'hui aussi, bizarrement, tu tends vers moi. Tends vers toi, bizarrement. Bizarrement, bizarrement, je t'assure. Je sais pas, hein. Après je peux dire, c'est Dieu, parce que franchement, je n'avais pas prévu avec Kimi, tu vois, de porter le même vêtement. Hein. En plus, j'ai porté une couleur très rare, Tata Lolo. Une couleur que tu vas pas te lever un matin comme ça, tu vas dire tu portes le vert kaki, tu vois. Tu vois, tu vas pas te lever un matin, tu dis je porte le vert kaki. J'ai pris un vert kaki pour me dire, ok, d'accord, il faut que je porte une couleur rare, tu vois, genre, un peu rare, qui n'est pas très commun, tu vois, et tout. Et bim, quand j'arrive à la convention, moi, j'étais derrière, genre, je me suis assis derrière en mode, genre, je veux pas être dans les flashs, je veux pas, tu vois. Je suis arrivé tôt, c'était moi derrière, loin, dernier bord, là, derrière. Après, je vois, on dit, général, il est là, annoncé, arrivé. Quand le papa, il arrive, paf. Mais t'es parti au programme, là. Et moi, je suis papa tôt, hein. Bah oui, je suis parti. Je suis Jairi. Je suis une tata papato immature. Non, totalement. Tu allais au programme là. C'était pour prier, waouh, ou bien c'était quoi tes réelles intentions? Tu allais pour quoi? Tata Lolo. Je suis allé prier, mais aussi pour rencontrer Kimi. Voilà. Je pense que tout le monde le sait, c'est même pas quelque chose que. Voilà, quand même. Tout le monde le sait, Tata Lolo. Mais toi, tu n'es pas encore découragé. Ah, Tata Lolo. Découragement. Hein? Tata Lolo, reste. Je suis quelqu'un de très patient. Tu vois, je suis quelqu'un de très patient. Moi, je fais toujours mes choses, moi, doucement, doucement. J'avance doucement, mais comme on dit, qui avance doucement, mais sûrement, tu vois. C'est comme ça que moi, je fais mes choses. J'avance très, très doucement dans mes pas. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui t'ont trouvé très poli. Mais le parfum que tu avais mis là, ça captivait beaucoup de personnes, hein. Ah ouais. C'est quel genre de... André, tu t'es préparé pour mettre un parfum spécial. Hé, hey, c'est pas un vieux saint, tu vas prendre les grimaces, hein. Tu as mis un parfum. Tout le monde a parlé, il dit tout le monde imagine, il dit tout le monde a parlé de ton parfum. Ah ouais? Hein? Oh mon Dieu, là. Oui, il est propre, il sent bon. Mmh. Ah ouais. Alors là, je savais pas qu'on a parlé de mon parfum. Pas du tout. Mmh. Il a dit, on m'a parlé, tu sais pas qui m'a parlé de ton parfum. Mais on a aimé ton parfum. Ah merci, 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 merci. Ah peut-être je vais commencer à faire la pub de mon parfum, hein. Peut-être. Tu vas me donner le nom de ton parfum. Bah oui, Tata Lolo. Bah oui, avec plaisir. Parce que de toute façon, tout le monde a parlé de ça. Ah, oh, moi, je suis choqué. Oh, ouais. Je suis vraiment choqué. Sinon, ça va. Non, ça va, ma tata. Encore un peu. Bon, là, maintenant, tu as vu maintenant ta soeur Kimi. Ouais. Voilà. Comment tu l'as trouvée? Elle était très belle. Elle était très belle. Non, on parle bien, parce qu'on t'entend pas bien, là. Ouais, j'ai dit exactement. Elle était très, très belle. Et moi, personnellement, je m'attendais pas à voir Kimi aussi belle en... Franchement. Mais j'ai dit hier. Yeah.